Seigneur, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de l'Écho Mercredi. On a peine un grand invité, on a bien invité dans l'Écho du Mercredi. Première question, comment on va au Whitefield Business School? Whitefield Business School est là maintenant depuis une douzaine d'années, parce que, après 10 ans, on est une école qui est bien établie, à mon dire, et on a environ 300 élèves. Dizaines de nationalités maintenant qui sont en train d'étudier. On est affilié avec des institutions de l'Angleterre, TC Education, et aussi maintenant on est affilié avec Lincoln University College, qui est un 5-star university college de Malaisie. Et très bientôt nous pouvons lancer un cours de Lincoln, là, c'est un nouveau master, et peut-être un peu plus tard dans l'année aussi, nous pouvons PhD aussi. Alors, l'avenir s'annonce bien et le présent aussi, ça va très bien. Donc, Lincoln University College, explique-moi ça, parce que moi aussi, pas comprendre. Nous, collège secondaire, quand on posait ça, Lincoln University College, il y a des mots qui m'a nourri, peut-être dans toute la tête, pas pour comprendre. On va dire que c'est une université privée. C'est dans l'académie, mais il y a beaucoup d'appellations. C'est une appellation, mais c'est appelé Lincoln University aussi. C'est une institution privée de Malaisie. Alors, il est pareil, le même formule que comment dire dans le collège, il y a un certificat de Cambridge. Alors, nous aussi, pareil, à Whitefield, nous sommes affiliés avec cette université de Malaisie. Que mes élèves, je me prends cours au contenu. Bon, le cours, c'est nous, on est une franchise avec cette université-là. Et nous offrons souvent le cours à Maurice. Donc, c'est un cours qui vient ajouter à ce que Whitefield fait dans le passé. Bien sûr. Ou bien c'est le même cours, mais avec un peu d'autres modules. Non, c'est un nouveau cours. D'accord. C'est toute une université qui peut venir au marché. Et ce qui est intéressant avec le normal Education Hub dans le monde, dans Sud-Afrique, dans l'Amérique, dans l'Angleterre, dans Singapour, dans l'Australie, dans la France. La Malaisie aussi. D'accord, ça c'est mon hub, c'est mon éducation que nous trouvons beaucoup d'élèves dans le monde, dans un pays-là, pour étudier. Alors, il y a deux façons, soit l'étudier là-bas, ou ce qu'il me fait maintenant, qui, 20-25 ans, je suis parti à Maurice. Alors, tout le monde, ma direction, il y a une éducation de qualité, quand même, c'est une 5-star university. J'utilisais un voyage dans notre pays, mais maintenant, avec ce nouveau modèle d'affiliation-là, nous, là-bas, nous, master, etc., on va faire formation en Malaisie. Moi-même, maintenant, en Malaisie, on fait une formation bien intense. Nous comprend le concept, nous comprend le cours, nous comprend sur l'administration qu'il y a derrière. Et là, nous venons à Maurice. Nous, bien sûr, nous passons par TIC, parce que le procédure est en cours maintenant. Et très bientôt, nous allons dire 45 à 60 jours, nous pouvons faire un nouveau programme. Qu'est-ce qui nous intéresse à Lincoln University College, vient dans Maurice et choisir Whitefield Business School? C'est un passif, c'est un succès ou un track record, comment dire? Alors, c'est bon de faire ressortir que c'est Lincoln qui vient approcher nous, bien sûr. Maurice est dans plusieurs players, ce film choisit nous. Pour nous, c'est un honneur qu'il y ait une 5-star university qui reconnaît notre travail. On se get stabilité, on se get qualité d'éducation. Bon, pour NCC, nous offrons un cours de NCC Education qui l'a depuis 100 ans, qui fait une forme 1 million gratuit à travers le monde, qui est présent dans 50 pays. Alors pour NCC, qui nous peut offrir maintenant, nous, mes élèves, sont les premiers dans l'Afrique. L'année dernière, nos élèves sont les premiers dans le monde, quand même, maintenant, le propre lauréat mondial. Et bon, tu as hâte de ton track record et c'est une preuve tangible de la qualité. Alors, basé sur ce critère-là, l'université sélectait un partenaire dans un pays pour faire une affiliation. Alors, on fait une série de critères, mais ce n'est pas une série de critères. Nous faisons un go-through qui nous appelle dans l'académie un accreditation process. Alors, on a vérifié nous, une série de documentation, nous aussi nous allons là-bas faire un entretien, faire un training. C'est un process bien rigoureux. Ce n'est pas comme ça même qu'on décroche une affiliation qu'une femme histoire de l'université. Donc, la voie sera encore plus haute. Bien sûr, nous là, c'est pour mettre la barre très très haute, parce que dans l'académique, ce qui nous guettait, c'est
c'est académique rigueur qui est dans les US, qui quand ça papier l'examen là, puis sorti, une fine respecter tout le monde procédure qui est bien, est-ce qu'il peut faire correction, tout le monde s'est dit, il y a un point qu'ils ont mérité, ou est-ce qu'il peut faire des tweeters, il y a une série d'académiques procédures qu'ils mettent en place, et tout ça peut être moniteur. Right? Et Maurice, bien sûr, avec une education hub. Alors, lui aussi, il nous dévore, hein? Quand nous trouvons un dimoun qui peut venir contre nous, c'est nous dévore en tant qu'un école, and show qu'il peut donner good value. Et voit-il, ce philosophie, c'est très clair. How we want to do business, we want to do a good business. And how you do a good business is adding values in people's life. The more you add value, the more people will come to you. Est-ce que c'est un nouveau coup là, celui-là, pour intéresser les enfants qui font Chelsea, parce que, bon, il y a une décision politique qu'il prend au niveau de l'université, c'est banal pour intéresser. Oui, bon, avec c'est la décision qu'il prend que le gouvernement mette l'éducation tertiaire à undergraduate, gratuitement. On les cible déjà gratuit dans l'université Maurice, c'est peut-être UTM qui comprennent des autres players qui financent ça. Mais nous, même provider of education, nous but c'est qu'il maximum d'immunes gagne l'éducation. Alors, quand nous trouvons maximum d'immunes gagne l'éducation, bien sûr, nous comptons. Mais non, c'est une bonne chose pour un d'immune qui maintenant, parce que par faute, c'est gagné. Alors, il ne peut pas garder ça de mauvais œil. Et nous, on nous dit, OK. Et quand même, énormément d'immunes qui ont l'éducation internationale. Pareil que le gouvernement met de la santé publique gratuite, il y a une partie du monde qui tout le monde choisit le privé. Alors, il y a un marché pour le privé. Et, to be very honest, on ne trouve aucun changement. Pas d'incidence sur le moment. Non, au contraire, il y a une positive increase. Alors, non. Pour nous, il n'y a pas d'incidence négatif dans ce sens. Donc, d'un peu l'éducation, dans le leadership, d'ailleurs, il y a un banner, on trouve une figure bien connue en Maurice Robin Sharma, c'est qu'il est au LinkedIn, tous les jours, je peux recevoir une citation, etc. Et Kevin Cassel, qui amène Whitefield Business School faire amène un genre de gourou de la bonne pensée dans Maurice? Alors, bon, Robin, c'est un habitué maintenant à Maurice. Et cette fois-ci, c'est quelque chose un peu plus spécial. Quand il est venu, dernière fois, il était là en vacances l'année dernière. Il travaille dans un établissement dans le Nord. Alors, il y a un monsieur qui tient ce chauffeur, ça va là. Et Robin connu parce qu'il était trois fois, même à l'hôtel de service qu'ils ont fait là. Parfois, quand je te répète, c'est un même Dimoun dans un client. Et Robin, il y a une special relationship avec ça, Dimoun là. Alors, il nous raconte qui, very sadly, il perd ses enfants. Là, sous-bitant, dans l'espace d'une semaine ou deux semaines. Et bon, cause du décès, nous ne vraiment pas reconnu, peut-être c'était une faute, fièvre, etc. Et ça a fait vraiment, initialement, c'est bien affecté par ça. Et il cherche ces histoires avec Robin. Et il a dit à Robin aussi qu'il c'est son rêve de faire une fondation dans le futur, que les gars viennent en aide. Ça va sous la rasée, tu sais. Viennent en aide avant de dire, maintenant, qui a été malade. Et aussi, mes enfants qui sont un petit peu pauvres. Alors, spontaneously, Robin, j'ai dit, yes, nous pouvons être toi. Et next conférence, c'est pour te dédier en grande partie. Alors, le soir, nous finissons Robin pour un dîner, il nous a projeté avec nous l'année dernière. Et nous avons dit, yes, nous sommes contents, 100% spontaneously. C'est yes, without a second thought, yes. Et aussi, nous contactons Kevin Gaskell, nous cherchons sa idée là avec lui, j'ai dit, yes. Et de tout finir avec un petit peu de fils. Et de ce fait, nous essayons de contribuer à environ 40 000 $ pour la fondation de M. Raj, qui s'appelle Lux Foundation. Alors, une bonne partie de l'income, 40 000 $ plus précisément, mais c'est raise pour contribuer dans sa fondation. À qui M. Raj et son équipe qui va la conjurer. Est-ce que le leadership, leadership next, c'est-à-dire c'est next step dans le leadership ou bien c'est... Alors, Robin Chouanam, on connaît, il fait lancer un nouveau Five Club. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Maurice et aussi une bonne nouvelle surtout pour l'industrie touristique de Maurice, que le 5AM Club en question, right? Le 5AM Club, sa club là-même,
c'est Maurice. Alors, le manzo, les histoires qui m'a aussi un peu trop là, non. Et ça, c'est un livre qui Robin fait dans un genre de service to the country. Il dit bien, on fait ça avec Maurice. C'est tellement content, Maurice. Si on fait ça avec Maurice, bah, ce livre, Five AM Club, une bonne partie du livre, c'est autour de Maurice. Alors, c'est quoi Five AM Club? C'est qui les chers dans sa topic-là, stratégie, right? Man, peak performers, what is their morning routine, right? The way you spend the first few hours of your day determines how you spend the rest of your day. How you spend your day determines how you spend your week, how you spend your month, how you spend your year, how you spend your life. That few hours in the morning, which is the best hours, has a huge impact in your life. And to my peak performers, you know, man, top routine. Alors Robin, il peut, dans sa couleur, il peut share. Si Robin est un leader, peak performer, this is what you have to do. What quand, is the secret? Moi bien quand ça peut être là, là quand tout le monde est dans ma tête, il y a des gars loupés, des petits enfants, comment il y a un peak performer? Comment il y a un peak performer? So it's simple. The man who can do 100 things can do 101 things. Si tu as fait 100, tu as fait 101 aussi. So let that one more thing be your morning routine. Si nous avons les 5 heures pour arriver, nous devons faire 30. And you spend that 30 minutes getting yourself ready for the journey. Qui veut dire stress? C'est une situation. Qui donne le stress? C'est une situation, un problème. Une situation qui n'est pas bien gérée. Right? Mais si nous ne sommes pas dans le right mental frame, comment nous pouvons gérer une situation qui n'est déjà mal gérée? Pas vrai? Alors, ce qui est un morning routine là pour nous, c'est qui it puts you in the right state to tackle your day. Right state, in state of your mind, in state of your body as well. Il est aussi dans un état physique. Puis, a few exercises, a few steps in the morning. C'est-à-dire le matin, tu es réveillé, assis dans le beau lit, respirer, boire un verre d'eau, rentrer un peu dans le biscuit, ou le treadmill, ou bien le cycling. Quand tu es le matin, c'est la première minute, ça doit être. Moi, bon, ici, Robin Chaman peut y aller, mais ça être pour soi-même. C'est-à-dire avec soi-même, pas comment dire, un peu. Pas une chose de ça. Je vais prendre l'exemple. Vous levez quand vous voulez prendre la case, vous vous tournez au micro. How does your day go? Mal. Mal. Très mal. Vous levez quand vous voulez s'y lever, you're in the early morning, right? Et you spend the first few moments, you know, just settling down, having no thoughts. C'est ça, c'est une méditation. Évacuer your mind. Your mind is working, even the sommeil, il peut faire des chèques avec des menus stressés. Just clear the mind. Absolutely no thoughts. Give it a rest, right? And then the body needs, you know, to get some fuel and to get exercise. And then what you could do? Write your intentions for the day. This is what I want to do. This is what I want to achieve, right? And then exercise a little bit, right? Some jimun in a routine. And that puts you, right, okay, ready for the day. And then you tackle the day. Now, you have a plan for the day. You are controlling the day. It's not the plan is controlling you. It's not the activities of the day. So you have a very well scheduled. Est-ce que ça veut dire change de mindset, ça? Pardon? Parce que généralement, on met un plan, mais dans un plan, on a toujours un accroche. Une affaire qui part rentrer. Pareil comme aujourd'hui. Voilà, comme ça. On devient sa famille, comme ça, on va du monde pour connaître une affaire qui s'appelle une affaire. Et ça arrive. Et si ça l'événement, là, il ne change pas pour aujourd'hui. Warren Buffett dit ça comme ça, who the only constant thing, ça nous tout connaît, c'est cliché, is change. The only constant is change. C'est. Nous ne sommes pas capables d'empêcher change. So you cannot control things which are outside of you. But what you can control is how you react to the change. Right? So if you know how to react with the change, you still the same thing within, outside happens, no matter what happened, you can still stay the same within. Nous sommes capables d'être bouteille d'eau ou bien d'un coca.
Quand vous êtes là, vous s'écoulez, vous voulez rester. Mais quand vous allez, so you choose to be whom you want. Quand vous êtes au-delà. So you always want the best for yourself, but it's a training. You could acquire this just comme ça. C'est quelque chose qui nous a entraîné et le morning routine est absolument. But Robin Sharma is the specialist. Ça vient le 3 juillet 2019. Oui, il va être accompagné avec. Et si, au dernier, comme ça, la seule chose c'est changer, mais parfois il y a du monde pas changer, ils ne sont pas capables d'adapter. Est-ce que, avant de changer, bien adapter ou bien changer pour adapter? Question là, il y a un peu. On pourra deux mots là, moi, tourner. Tout le monde a envie changer, tout le monde a envie creux, tout le monde a envie apprendre. Quand tu te dis comme une question, tu te poses. Un tas. Nous avons vu que deux étoiles sont nous. Nous avons vu un astronaute. Nous avons vu, nous devons apprendre un tas d'affaires. Nous avons vu faire un tas d'affaires. Right? Mais quand nous vivons grand, même affaires, nous n'arrêtons pas de faire. Right? Qui fait parce que le monde fait une, hypnotise nous d'une certaine façon pour faire nous croire qui. It's not okay to be unreasonable. It's not okay to be unreasonable, right? Alors le monde qui nous montre nous c'est qui, ça va un grand rêve qui nous est là, c'est pas dans le domaine du possible. Ça va une affaire qui nous peut faire là, il y a un petit peu trop fort fait. Alors, calm down, be reasonable with your life. Donc vous adaptez aussi la même. Right? Donc, nous pas adapter ça, c'est un petit problème pile électrique. Nous ne pouvons pas répondre à ça maintenant. Quel sera le rôle qu'on a Kevin Gaskell qui est pour causer? Ok, alors, Robin peut expliquer de la philosophie. Gaskell, c'est quelque chose maintenant complémenté à Robin. Gaskell, il fait une affaire brillante. Alors, ce qu'il fait, quand il travaille proche comme CEO, moi, je recevoir aller, on parle de ça dans l'hôtel, je fais une interview. Voilà, et il y a aussi après les tiers BMW, quand les tiers CEO de BMW là-bas. Quand les tiers que le Porsche fait en faillite, et l'internal en Porsche, dans 4 ou 5 ans, il fait live in the 7 most profitable car company. Et aussi, il est tellement profitable, il baisse son compétiteur, c'est de Lamborghini. Alors, c'est intéressant de savoir comment il fait ça, how he can turn around the situation. Je crois que c'est, you know, one of things he was lucky. Then, il a BMW, là-bas, il augmente. Bon, BMW se profite, vous pensez, c'est en billions, whatever, de l'or. Et il augmente, BMW se profite par 400%. Alors, non, mais connaît, mais quand le mec cause growth 3%, 4%, 7%, il cause pas 300, 400%. Et il va causer, il fait. Et il transforme 17 top companies en 18 top companies comme ça. Alors, lui, pour une chair, comment il finit bien ça? It's not a philosophy, it's not a theory, it's not from a book. C'est la réalité de Bouvini pour chair avec des business leaders qui ont envie de transformer le business. Et lui, vous explique exactement la méthode, right? Without any reservation, c'est la méthode qu'il a servi dans ce cours de Inspired Leadership. Qu'est-ce que Kevin peut dire de nouveau comparé à la dernière fois, il y a quelques années? Alors, Kevin, c'est un wealth of, un wealth of knowledge. Quand il se transforme 17 compagnies, il y a pas été là pour 4 heures, on ne pense pas à une récit à tout. Alors, monsieur, you know, other brilliant content qui est bouché. C'est pas la même chose, ce sera différent. Différent dans le sens? Non, c'est dans la même direction, mais c'est dans différentes techniques. Bien sûr, il n'est pas capable. Explique tout ce knowledge de ce 30 ans de carrière comme CEO d'un workshop de 80 ans. Alors, c'est un suivi de sa première workshop là. Mais, et c'est pour adapter à la sauce mauricienne, c'est ça parfois, nous venons de même, ban compétiteur, nous avons grand, on nous a dit à porte, mais j'ai l'impression que le produit n'a pas adapté à la sauce mauricienne parce que nous encore, comment on va dire ça? Nous encore conservateurs, nous encore old school dans ce concept de leadership là. D'accord, mais il y a des affaires qui, dans tout business ou dans le marché, dans tout business ou dans le monde, tout business ou dans le capital, tout business ou dans l'aspect marketing, ou dans l'aspect communication, il y a des co-reality. Et quand nous avons beaucoup de business, nous avons presque le même problème. Quand nous avons un trend dans le monde aussi, nous avons un trend dans le start-up, c'est 90% start-up fermé après 10 ans.
Hein? Et c'est pas juste dans le monde, c'est un peu dans le monde, c'est un trend. Il y a une réalité, une co-idea, c'est une co-stratégie qui paraît dans toute l'entreprise à travers le monde. What change is the dynamics of the market. It's the dynamics of the market. Il y a un peu la culture dans ce même pays, là qui est différent. Mais le tout OPM business, quelque part, we want to have a bigger market share, we want to enhance our product, we want a more competitive team. Cela vous dit, Mano, il y a des autres. Mais au centre de ça, c'est l'humain, c'est le désir, voilà. C'est l'envie. C'est-à-dire, bien, un élève, on pense à dire, envie avant que je vienne au Whitefield Business School. Si Pénas a l'envie là, il va venir, ça passe. Voilà, c'est un élément bon de faire communiquer. Qui est là dans le workshop, c'est effectivement le premier qui dit ok, this is real, real great value. Et après, tu as dit si refund, ça coûte 3 à 4 000 euros maximum. Alors, c'est of very, very great value. C'est un peu Whitefield, ce philosophie, c'est to deliver value to people. Alors, c'est un coup de great, 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 great value qui nous encourage, Bandimoun, à joindre le 3 juillet. Donc, le 3 juillet, ça se fait au Trianon. C'est à Trianon Convention Center. Et le booking peut faire sur notre site web. Donc, en tapant Whitefield Business School, vous trouvez le site. Ou sinon, c'est www.whitefield.ici.mu. Quand on choisit l'option internet, est-ce qu'à payer par code de crédit ou bien avec une réservation, avec un chèque ou bien pour un ticket à la porte, comment ça va passer? Je t'allons le site. Et dans toutes les informations sur le cours, dans ma vidéo de Kevin, ma vidéo de Robin qui vous explique un petit peu de notre cours dedans, et dans ma littérature que je parle liée sur le cours, et aussi et dans le online booking form. Alors, qui fait mon bien, dis-moi, dérangez-moi, écoute-moi, que les gars assistent devant sur l'ordinateur, il fait quelques touches, et voilà, le booking est fait. Il va faire un booking pour lui, il va faire un booking pour 50 dis-moi, as well. Et ça se fait online. Alors, c'est à portée de main sur votre portable ou sur votre ordinateur, c'est plus facile. Et le paiement, c'est qui vous demande paiement, ça se fait soit par bank transfer ou un chèque aussi, c'est un peu ça. On va faire direct le code de crédit. Non, le paiement le fait en code de crédit, mais je peux payer par chèque ou par transfert bancaire, internet banking, bank transfer. Donc, quel est le marché qui est celui ou business group et... Le marché, c'est beaucoup de corporate clients. Hein? Il y a beaucoup de clients qui sont des CEOs, des managers, des business leaders. Mais il y a un beau petit marché, c'est un individu qui est intéressé par le growth and development. Qui ont envie de grandir, qui ont envie de do better with themselves, to develop a better version of themselves. Il y a beaucoup de gens qui là. Bien sûr, dans le monde fans, beaucoup de fans de Robin Sharma, beaucoup de monde qui est intéressé avec le philosophie Lead Without a Title, ou le 5AM Club, ou le Inspired Leadership, ou le Fulvers de Kevin Garcia, ou bien ça. Et il y a un tarif bien réduit aussi pour mon étudiant. Qui est mon étudiant, les contacts de nous, là, nous parlons chez un tarif avec ça. Mais étudiant de quoi? L'université? Oui, bien sûr. C'est qu'il y a l'université ou bien un étudiant qui en secondaire, ce n'est pas vraiment the right time, je crois, qu'ils sont plus welcome, mais c'est plus mon étudiant en tertiaire. Ma professeur aussi, c'est qu'il fait un peu dans le domaine du business, ou oui, il peut faire leadership, parce que leadership, hein, tout le monde peut commencer un peu dans sa créneau. Là, on trouvait que la National Women Empowerment peut faire un cours leadership, SMI peut faire leadership, le ministère de l'éducation peut faire dans le leadership. C'est un thème accrocheur ou bien c'est un thème nécessaire pour vous, ça? Vous pensez que c'est un gros livre, parce que si nous sommes dans la bonne entreprise, hein, c'est leadership, il a un gros impact aux performances, aux résultats. Et many people don't leave their job, they leave their managers. Vous connaissez ça. Alors, leadership, c'est un real, real need. Et malheureusement, nous sommes dans l'éducation formelle de leadership. Ultimately, il y a promote un leader dans ce département, dans son entreprise. Mais il n'a pas fini d'être formé vraiment. Il apprend le management. Management is a theory of concept. Mais leading people is something different. Right? Et bien souvent, nous trouvons un monde technical, very technical. Nous trouvons un monde very technical. Tellement, il est bon techniquement, il est promoté head of his department. Quand il est head of the department maintenant, il n'est plus manager sur l'aspect technique, il est technical manager, mais il manage his people. He leads people, but he's not been formed how to lead, trained how to lead people. Alors, bien souvent, on trouve
and need for that. Après, my vrai leaders, my top leaders, they know they have to keep learning. De continuer à apprendre. Si on vient de leader, c'est, je dirais, c'est moi un leader, mon people can too. These are the worst leaders. Parce que là, quand on dit ça, either we stagnate and we start to go back on our performance. The best leaders, they read, c'est pas 30 livres par an, et de continuellement apprendre. Apprendre, c'est important, ou aussi continuer à apprendre? Ben ouais, le matin, je vais apprendre. Quand je suis motivé au téléphone, je vais faire un cours. Alors, moi. Ah, il n'y a pas de téléphone maintenant, on fait. Ouais, enfin, c'est sur. C'est online, plutôt, avec le collecteur de téléphone. Oui, on prend aujourd'hui, quand on est en 6e, tu peux apprendre. There's no training, I don't need to faire des certificats, on va apprendre tout le temps. C'est la part de la nouvelle technologie, c'est-à-dire, on a un étudiant peut-être initié, il peut passer vacances, côté de sa famille, en Afrique, disons, on connaît en Afrique. Il y a WhatsApp ou par IBM ou par Messenger avec eux pour il y a un doute, il peut demander quand l'école peut répondre, et s'il répond, oui, et s'il n'a pas prendre un 10 jours en plus, parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Et si ça se fait, hein? Non, et bien, vous aussi, ça fait. Voilà. Communication avec technologie, il facilite le travail. It really gives an edge to communication. But it also facilitates miscommunication very rapidly. Alors, il y a pourtant, c'est pas un tool, right? Beaucoup de monde dit, vous savez, l'exemple, on envoie un email. Mais tu veux envoyer un email, right? Le travail, c'est pas envoyer un email, le travail, c'est communiquer. La base reste la même. The tool can be different. On peut communiquer à travers un live, une vidéo. Pourtant, tu veux communiquer face to face. La base, c'est communication. The tool has changed, right? Mais bien sûr, en tant qu'une institution tertiaire très moderne, nous servit tout le monde d'outils de communication. Effectivement, nous servit WhatsApp, les normaux élèves qui voyagent dans le monde, qui viennent venir dans 9-10 nationalités. Quand on a pu prendre l'avion, je peux prendre en contact avec nous le WhatsApp, je donne un rapport, je peux finir, voilà, tout se fait sur WhatsApp. Hein. Beaucoup, beaucoup, pas tout, mais beaucoup se fait sur WhatsApp ou des outils qui nous servent. Et très bientôt aussi, nous pouvons commencer dans le monde online video lecture. C'est un projet d'avenir que tient des débits d'absent. Voilà. Pas courageux d'absent, mais c'est d'absent. C'est tout le temps qu'il y a une catch-up vidéo online que je vais le mettre sur les. Qui met ça au cerveau de Robin Sharma et Kevin Kassian d'un bon leader ou bon business corporate? Qui met ça? Le message, c'est twofold. Premier, c'est leadership next. C'est very, very good value. Hein. Je dis ça très sincèrement, c'est very, very good course. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, que nous avons deux top speakers. Robin Sharma, c'est top 5 dans le monde de leadership. Et Kevin Gaskell, c'est un serial entrepreneur who has his track record. Alors, c'est la première fois que nous avons deux demons de salon virgule là, sur le même plateforme. Alors, c'est une opportunité à saisir, Et deuxièmement, there's a good side to the workshop que nous essayons aide un parent qui est dans une difficulté, une souffrance, et nous peut aider pour créer une fondation. Voilà. Alors, une partie de someone, Goldman speaker là aussi, puis nous voyons sur Don Feeds. Et à cause de ça, nous sommes capables de coûter de deux speakers, nous pouvons faire le prix d'une seule conférence. Qui nous a été fait et tu as fini de permettre pour raise fund $40,000 qui nous a essayé d'arriver pour sa fondation. Alors que ce peut venir, ce peut bien sûr gagner good value et je aussi je vous participe d'un projet qui amène value dans la société. Alors, il y a des raisons pour que tu aies une. Est-ce que White Fair Business School peut contribuer financièrement dans sa fondation? Oui, directement et indirectement, lui aussi, une participation. Quand vous avez participé, ça veut dire que vous pouvez vous ou vous pouvez vous aider pour faire une activité, non. Si et ça, ou bien vous traitez le droit. Nous, dans un premier temps, nous pouvons aider M. Raj Ramsoran, le papa de Lid Yaj Ramsoran, pour ouvrir sa fondation. Alors, nous, notre rôle, c'est de contribuer à la fondation. Après, une fondation, bon, il y a des members, il y a des trustees, etc. L'idée pour opérer la fondation. Alors, on vient dans une conférence, on peut participer dans la fondation. Et deuxièmement, si on a envie de contacter
Lux Foundation directement, The Program dans le futur, ils vont arriver aussi, et l'I. Alors, nous contribution dans un premier temps, c'est à travers la conférence seulement, et à ce moment, nous mettons comment le partnership capable, comment nous capable servir sa fondation. C'est bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Jeanne, le 3 juillet 2019, merci. Trianon. Merci beaucoup.